Troisième jour de notre programme de formation classe barman, masterclass ici à Maurice, particulièrement spécialisé sur la création d'une œuvre, d'un cocktail signature, des élèves directement par petits groupes. Ils ont pensé et fait vivre les produits mauriciens à travers leurs histoires et les cocktails qu'ils ont créés. Avant tout, c'est un métier de rapport humain, donc la gentillesse, la bienveillance, le sourire, tout ça, c'est les premières qualités d'un barman. Après, c'est plus on va évoluer et plus les qualités vont devoir s'intensifier et s'accentuer, j'ai envie de dire, pouvoir s'adapter aux différentes situations, avoir de l'humilité aussi, c'est important pour accueillir, présenter, avoir envie de faire plaisir aussi aux clients. Pour ma part, mon parcours un petit peu. Alors moi, ça va faire 18 ans que je fais de la restauration, un cursus, comme j'ai dit, dans les écoles hôtelières. Le gros de mon expérience que j'ai faite, c'est faite à Disneyland Paris, où j'ai fait mon apprentissage, où j'ai découvert le métier, j'ai rencontré des gens qui étaient passionnés, qui m'ont transmis cette passion aussi, qui m'ont permis d'intégrer une association, l'association des barman de France, qui m'a ouvert des portes, clairement, pour faire rencontrer des gens, permis de participer à des concours. À la suite de ça, j'ai réussi à décrocher le Saint Graal, j'ai envie de dire, ce titre de meilleur ouvrier de France à Disneyland Paris. Et puis après, c'était pour moi le temps de voir autre chose, donc retrouver la place parisienne avec ses grands établissements, le Peninsula Paris en tant que responsable des bars et puis en tant que chef barman à l'hôtel de Crillon avant de passer à de nouvelles aventures avec SAF. Alors c'était ma première expérience à Maurice, pour ma première visite et puis cette première formation. Agréablement surpris de l'accueil déjà, de la gentillesse et de la bienveillance des gens. 3 jours avec 40 barman, effectivement, sur le papier ça peut être sport. C'est vrai que ça a été intense, mais vraiment dans le bon sens. La curiosité, les gens sont passionnés, ont envie de faire bien leur métier. Je me rends compte qu'ils n'ont pas forcément eu tous les outils non plus à leur disposition. C'est parfois des gens qui ont appris sur le terrain et qui n'ont pas eu tous les outils et les petites astuces qu'on peut donner dans les centres de formation ou autres. Et le fait de pouvoir échanger aussi, parce que ce n'est pas seulement moi qui apporte des réponses, mais c'est un enrichissement aussi personnel. C'est une culture aussi que j'ai un peu perçue, apprise un petit peu. Et j'en ressors, je pense, un peu plus grandi qu'à mon arrivée. Et l'échange et le retour, le ressenti des barman, il est vraiment très très bon. Et ça encourage fortement. Et l'envie de revenir, peut-être aussi en vacances, pour découvrir davantage les beautés de l'île. Mais en tout cas, la richesse de Maurice, c'est pas simplement la beauté de ses paysages, mais c'est aussi avant tout la bienveillance et la gentillesse de ses habitants. Historiquement, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes derrière les bars. De plus en plus, on voit des femmes qui arrivent, et heureusement, j'ai envie de dire, parce qu'on se rend compte que bah, une petite touche de féminité derrière le bar, pour la création de cocktails, pour l'accueil aussi avec les clients, la gestion des fois des conflits. Quand il y a la présence d'une femme, ça peut aussi faire apaiser les tensions, j'ai envie de dire. Et au sein d'une équipe, c'est bien aussi d'avoir une petite touche féminine. Voilà. Après, c'est une question de point de vue aussi, mais de plus en plus, les femmes arrivent derrière le bar. Aujourd'hui, elles sont en place aussi, elles font de très belles choses. Comment est-ce qu'un barman garçon est différent d'un barman fille? Peut-être sur la sensibilité, quand on parle de la création pure, et peut-être sur cette approche avec les clients, le relationnel. Après, c'est très subjectif comme critère, parce que chaque femme va avoir sa personnalité, chaque homme va avoir sa personnalité,
Et au niveau des différences, après dans le travail technique pur, il n'y a pas de différence. L'homme fait le même travail que la femme et vice-versa. Donc là-dessus, je pense que la parité et l'égalité dans le travail, elle est plutôt respectée. Et si je devais vous demander comment est-ce que vous alliez encourager une femme à devenir bowman? Alors, par envie déjà, si elles ont envie de faire ce métier, de se rapprocher des gens qui peuvent leur donner les informations pour ça, s'il y a des centres de formation, s'il y a des bars à côté de chez eux, tout simplement, ou dans lesquels elles aiment venir boire un verre, elles trouvent que l'ambiance est sympa, que c'est un métier intéressant, peut-être discuter avec les barman, différents établissements, et puis leur demander des conseils sur comment faire pour intégrer les bars, si ça peut coller avec ce qu'elles aiment. Alors on est plutôt dans une belle époque pour les barman. Le cocktail fait son envol de plus en plus, que ce soit en France, mais aussi à l'international. De plus en plus de bars à cocktails s'ouvrent. Les gens s'intéressent aussi de plus en plus, sont davantage initiés à aller goûter de nouvelles saveurs. On est un peu moins sur le sucré, on arrive de plus en plus vers des tendances sur l'amertume. Ça montre que les gens goûtent, s'initient et ont envie d'en savoir un peu plus. Donc clairement, pour les barman, ça ouvre des opportunités, des possibilités d'évolution, de changement de carrière, de se diversifier un maximum tout en conservant cette passion pour le métier de barman. Moi, je suis barman à l'hôtel Résidence pendant 2 mois. Et puis, là, je travaille là-bas pendant 8 ans. Je commence à partir de waitress. Tu me vois, camarade, tu peux pousser moi, tu peux déjà me faire barman. Pour cela, pour demain m'apprendre plus, me connaître plusieurs cocktails. Ça court là, bon masterclass, ça, il intéresse moi. Pour m'apprendre plus que ça. Nous besoin qu'on nous vende cocktail, nous besoin qu'on nous vende ingrédients. Je gagne bon, mais tout le temps, il fait plus sourire avec un client. Et le client, il est plus content si nous avons bon, de l'eau bon, parce que ça, il est bien rare nous gagner.